Et heureux tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve à nouveau sur le jeu Edge of Eternity pour le 11e ou 12e épisode, je sais plus trop, car l'épisode d'avant il y avait beaucoup de marge, donc je pense que je vais le switcher ou faire un montage. Je vais peut-être faire aussi des petits montages des let's play, parce que c'est vrai que des fois il y a beaucoup de déplacements et ça peut casser l'envie de regarder les vidéos, donc je ferai peut-être des montages let's play pour garder les meilleurs moments, style les quêtes secondaires, les quêtes principales, sans que ça casse trop cheminement de l'histoire, on va dire. Donc du coup là j'attaque justement une quête secondaire, on va chasser le gros sanglier qui nous avait fait casser, oui, beaucoup de monde là. Casser le fort où il y avait cadre de prisonniers, notre ami soldat. Donc du coup je pense qu'on va aller le chasser et après on reprendra le fil de l'histoire hein. Parce que je voulais pas trop passer à côté de quêtes secondaires hein, pour pas que le niveau de perso soit trop bas au bout d'un certain temps. Donc on va aller chasser cette bête là, voir ce que ça nous dit. On s'est déjà fighté contre lui au moment, mais on ne l'a pas tué. Il y a des dodies, je crois qu'il faut que j'en tue pour ma quête aussi. Ça, si ma mémoire est bonne, oui, faut que j'en. Ah non, vous avez dit sont morts. Les juges de crabe. Juge de crabe, je crois qu'elle a un peu de plus. Oh, pétard. Je vais ramasser le truc. Gagner un combat à moins de 6 tours. Ok. Par contre, c'est sombre, je trouve, quand c'est. Ah oui, c'est vrai que j'ai changé l'arme. Du coup, je n'ai point d'attaque. Je n'ai que. Oh pétard, on n'est pas rendu. Oh, j'espère qu'elle va faire bien mal parce que sinon. On n'est vraiment pas rendu, les gars. Si je lance une grenade, sinon. Ça peut être pas mal la grenade. Là. Non, la grenade. Je veux. C'est là. Hop, on va tester ça. Qu'est-ce que ça dit? Les mises en masse suivent en fait, c'est quoi ce bordel? C'est pas mal. Bon, du coup, je vais relancer une grenade. Ça fait tout un feu de deux. Non, presque. Ah, je prends cher. Bah, fighter. Hein. Une attaque de base sur celui qui a le moins de vie. Wouah, c'est sérieux. Le combat, quand il reste une merdouille de vie, c'est quand même. Ah, c'est. 4 niveaux d'un coup là, ça monte vite. Donc on a dit que c'était, faut traverser le pont, petit pont qui est là. T'es, truc du crabe, je vais le faire là. Subissez moins de 639 dégâts. Ok. Est-ce qu'ils sont sur le même carré? Oui. Bon, là, c'est une grenade. Fighter aussi. Ah oui, il résiste quand même pas mal. Et... dis donc, c'est pas sympa les... J'essaie de casser lui là.
la Rock Fighter, parce qu'ils sont en deux, du coup, c'est de mettre des dégâts aux deux. Et pourquoi c'est pas son attaque là, je vais taper sur lui. Ah, je vais lui taper sur l'autre. Oh non, j'y crois pas. C'était vraiment pour aller le faire chier, quoi. Donc du coup, épaisse crabe, la chasse va être bientôt finie aussi, je crois. Je pense à mettre un autre objet, du coup. J'ai gaspillé toutes mes grenades, du coup. Je peux peut-être améliorer mon arme aussi. Je vais regarder ça tout de suite. Objet de combat, déjà. Je vais mettre. Ça met du poison, je crois. Voilà. Cristal, ouais, voilà. En fait, c'est parce qu'elle avait pas assez de. Non, je sais pas pourquoi c'est bloqué là. J'ai pas de cristaux violets, j'en ai des cristaux violets pourtant. Pas pourquoi c'est bloqué. C'est bizarre. Bref, bon, c'est pas grave, on va essayer de chasser le roc. Par contre, si j'ai pas d'autres magie sur mon arme, ça va être chaud. Je vais peut-être changer d'arme pour. Me battre contre le gars là. Pas une sauvegarde là, de toute façon. Juste avant. Perfecto. Et ouais, je vais prendre l'arme que j'avais tout à l'heure. Je la remettrai après ça. C'est si je prends. Puissance 13. Et celle que j'ai fait quoi? Puissance 16, mais bon. Il n'y a pas de magie. C'est gênant. Bon, je vais remettre Blizzard. Et je vais remettre les cristaux comme il fallait. Là. Donc, cristaux 5. Dégâts physiques. Hâte. Là, ça va être. Alors. Je vais mettre l'âme de foudre. Celui-là. Peu importe ça. Brise armure. Ouais, défense machin. Un objet, je me suis mis, je crois, donc c'est bon. Allez, on va essayer de le faire. Est-ce que j'ai analysé déjà ce petit gars? Oui. Bien. On va commencer par y mettre un petit coup de poison dessus pour voir. Ah, déjà, on va bouger. Moi aussi, il va falloir que je bouge. Hey! Je vais mettre le piège. Ah non, j'ai pas mis le piège de roc. Il faut dans l'acier, voir ce que ça fait avec beaucoup de dégâts. Petit coup de brise armure. Oh, il a massué le cochon. Plus empoisonné, je crois.
te retourne pas surtout, que je puisse bien te taper par derrière, ce serait cool. Je peux pas. Donc on va faire Fight Food. Je vais le empoisonner du coup. Tu peux pas y taire, je sais pas si je peux. Les armures est encore actif donc oui. Je me soigne. J'aurais dû mettre le piège. J'ai le piège de roc, je l'ai pas mis comme un douille. Il est trop loin pour que je mette sur lui. Ah oui. En fait, ce qui a été déplacé là. J'en ai des HP, non, c'est pas la peine. Un petit coup d'éclair en cul.
ça devrait passer quand même. Un petit coup pour les armures. Je peux plus, j'ai plus de mana. Plutôt est de savoir comment il réagit. On sait pas. Notre attaque est là. Par sécurité, on va se déplacer. Ça va gagner masse, c'est con, c'est pas la bonne explique. La bonne arme du moins. Que de rock prélevé sans pitié sur sa feuille. Annoncer que le rock est mort. Ok. Du coup, je crois qu'il y avait des coffres. Juste à côté. Recette artisanale. Ok, là c'est une arme. Est-ce que niveau téléportation. Ouais, ce sera plus près ça. C'est incroyable, quand même. Alors, c'est tout droit. Je sais plus ce que je récolte. Là. Il fait loin lui. Ah bah oui c'est là. J'ai jamais vu ça. Ok.
qu'il fallait parler. J'ai une XP, j'ai une coudotte, 100 balles et Gant to be pour Selene. Et là, on va y mettre ça avec une dame. Équipement, Selene. Ils sont déjà mis de toute façon. Puissance 3. Ok, donc quête est faite. Faut que je retourne au Ven de je sais pas où là. Ça c'était la quête principale. Qu'est-ce que j'ai à faire sinon là, pas loin. Tuer ça. 5 graines d'ombre et 5 fruits de moron. Je suppose qu'on trouve les fruits de moron. Il faut que je monte vers là-bas. Ça c'est plus vers ici. Je pense que je vais faire ça. Il me semble que c'est pas trop loin ça, là où je suis. Ah non, ça c'est... C'est quoi ça? Ici. Il y en a partout? Du coup on va essayer de tuer cette petite bestiole. A few moments later. Dans la forêt de... Ah, donc je trouve une téléportation là. Ici. Non. Là, c'est bien. Mais oui, Nicolas. あいつがウラリクか。ええ、枝角の間に一本角が生えてる。さっさと片付けるぞ。待て。まず自分の目で確かめなくちゃ。あれが最後のウラリクかどうか。おい、正気か。神の使者なら私の身は安全なはず。それって命の危険を冒すほど重要なのか。 ええ、そうよ。分かった。俺はここにいるからな。
私の心が読めるのよね。何か感じる。何を告げようとしてるの？お兄ちゃんに手を出さないで。俺が先導する。行くぞ。Je sais pas pourquoi, mais il veut m'attaquer à moi. Bon, je vais faire un peu de bruit d'armure. Je sais pas pourquoi, mais je pense que l'électricité va rien lui faire du tout. C'est pas si mal, même. Oh putain. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'espère qu'une attaque ça va les faire disparaître. C'est juste des illusions et tout ça. Yes, ouf. Le truc c'est est-ce que je me déplace vers... Je vais continuer à attaquer ça et elle va s'occuper des illusions. Ça fait mal, mais sans plus. Vraiment, une attaque suffit, donc c'est très bien. On va se débarrasser d'un coup. Non, il s'est déplacé. Comme ça. Je croyais lancer mon sort avant, mais non. Ça devrait passer crème, normalement. Faire moins qu'il me sorte une attaque de fou. J'essaie de passer le tour, voir si ça me défend bien.
qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Encore en gros, c'est bon. Un petit coffre, ouais. Oh. Je vais juste changer d'arme et faire le combat là-bas. Parce que j'ai oublié de la changer, bien sûr. C'est bien dommage qu'on puisse pas garder la sélection ou quoi. À chaque fois, je change d'arme, tu dois refaire tout le truc. C'est chiant. Du one shot là. Il faut que j'aille voir donc. Il n'y a pas de truc de. Ah si. Pour se téléporter. Je retourne dans Arga. Donc. On va se téléporter jusqu'à ce petit monsieur là. Et je pense que je sauvegarderai.
juste avant parce que j'ai une quarantaine de minutes qu'on joue. C'est là pour le 11e épisode. Je pense que je ferai un petit montage pour les deux combats en fait entre le Rock et Ralik. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez déjà fait, commenter et partager. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur Edge of Eternity. Ciao ciao.